Pour la critique, il y a eu des gens avec qui vous avez collaboré et qui vous ont incité à vous intéresser. Bon, après la thèse de maîtrise et de doctorat, vous intéressez à la littérature franco-manitobaine ou littérature canadienne. Oui, c'est curieux comment notre vie prend une direction un peu sans même qu'on s'en rende compte. Alors, j'ai commencé à travailler à l'Université de Saint-Boniface la première année. J'enseignais absolument pas dans mon domaine parce que moi, j'étais devenue un peu spécialiste de littérature québécoise, canadienne, française, africaine et antillaise. Je veux dire, ça ne s'enseignait même pas chez nous. Alors, moi, j'ai remplacé quelqu'un qui enseignait des cours de langue, de grammaire et de littérature française. Alors, j'ai travaillé tellement fort les premières années pour m'immerger dans ce domaine-là. Et une fois que j'ai eu ma permanence et que j'ai postulé pour le poste, Annette Saint-Pierre prenait sa retraite. Donc, là, j'ai pu commencer à enseigner des cours de littérature canadienne-française. Et là, j'ai commencé à introduire des cours sur la littérature africaine, etc. C'est moi qui ai construit tout cette discipline-là. Et on m'a demandé de siéger au conseil du CEFCO, le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest, qui organise tout, ben à l'époque c'était tous les ans, maintenant c'est tous les 2 ans, un colloque. Et étant très impliquée, bon, j'ai commencé à travailler sur la littérature franco-canadienne de l'Ouest. Et puis, quelques années plus tard, on a créé les cahiers franco-canadiens de l'Ouest. Et puis là, on a commencé à avoir la possibilité de publier nos recherches sur l'Ouest. Et puis ensuite, il y a eu la revue Francophonie d'Amérique. Et puis, ça a un peu pris une certaine ampleur. Là, maintenant, on enseigne les littératures de la francophonie ailleurs. Mais je pense que l'Université de Saint-Boniface avec la Louisiane et Paris, on était vraiment parmi les premiers. Et puis là maintenant, ça s'enseigne dans plusieurs universités. Alors je suis restée très fidèle à mes racines. Je travaille beaucoup sur les auteurs d'ici. Mais j'ai peut-être pas publié la critique autant de critiques que j'aurais aimé, c'est parce qu'on a une lourde charge d'enseignement à l'université. Alors souvent, j'allais faire mes présentations orales et puis je rangeais les documents, je faisais mes petites 20 minutes, vingtaine de minutes de présentation et je me disais, ben, je vais retravailler le texte pour publication plus tard. Je dois avoir une trentaine de textes que j'ai jamais publiés, que j'ai juste mis à l'écart parce que j'avais pas le temps. Puis bon. Alors, j'ai travaillé sur presque tous les auteurs, je pense, de l'Ouest.